Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Donc, je vous avais proposé en fait sur YouTube de me choisir ma prochaine toile que je voulais faire. En fait, excusez-moi, c'est pour me permettre de faire mes toiles et d'avancer dans mes toiles et dans mes partenariats. Donc, vous avez donné trois toiles. Vous avez donné donc celle-ci, une cendrillon. Cendrillon 30 par 40 cm, c'était un partenariat avec la boutique Everyday 10. Elle est en diamant carré, donc c'est 30 par 40 bords inclus. Et elle a 19 couleurs. Et ce qui est fantastique, c'est qu'en fait, ce sont des sachets zip, donc du coup, moi je n'ai pas à les mettre dans des petites boîtes parce que je n'en ai plus. Voilà, je crois que tout est plein, tout est pris. Donc du coup, ça me va bien que vous ayez choisi celle-ci. Il y avait aussi ma toile Bébé Yoda 30 par 40 cm qui faisait partie d'un partenariat avec Fanzel. Elle était à 3,49 livres sterling. Alors je sais pas comment ça fait en euros, je peux pas vous dire, je sais pas. J'ai pas fait la conversion. Et il y avait ma toile Tour Eiffel. J'ai un peu déçue parce qu'en fait, je pensais que j'aurais fait la Tour Eiffel. Enfin, bref, c'est pas grave, je la ferai la prochaine fois. Tour Eiffel. Elle venait du magasin B&M. Je l'avais payée, je sais plus, je crois que c'était 3,99 euros. Je ne me rappelle plus. Enfin, c'est pas grave. Du coup, il y a eu 49% pour celle-ci et 26% ex aequo pour les deux autres. Alors, je vais faire celle-ci. Donc, dans chaque vidéo, en fait, je vais les diviser en plusieurs parties. Là, c'est la première vidéo, c'est la partie 1, donc c'est la préparation de la toile. Sachant que ça, je ne vais pas les mettre en petite boîte. Du coup, je vais juste mettre du washi tape autour de la toile. Et je vais surtout, comment dire, mettre les numéros sur la toile pour voir quelle case je vais faire. Voilà. Avant tout ça, je vais juste prendre en photo la table des matières que je vais imprimer. Parce qu'en fait, le washi tape, il va me couvrir la table des matières qui se trouve sur les côtés. Donc, c'est un peu embêtant. Et puis, je reviens tout de suite. J'ai eu un petit souci d'imprimante parce qu'à force d'imprimer, eh ben, il n'y a plus d'encre. C'est pas grave. Donc, sur mon ancien téléphone, eh ben, j'ai récupéré la table des matières. Voilà. Donc, comme ça, eh ben, je l'ai là. Et dès que je remettrai de l'encre dans mon imprimante, j'imprimerai. Voilà, c'est aussi simple. Allez, on y va, on commence. Ça, donc déjà, je vais juste mettre le washi tape autour. Alors, j'ai pris un washi tape bleu. En fait, j'ai acheté des washi tape la semaine dernière. Je sais plus comment je vis, moi, hein, je vous assure. Hein. Samedi, je suis allée chez Action et j'ai acheté des washi tape. Donc, il y en avait dans la couleur bleue, comme ça, je trouvais super sympa. Il y avait aussi du rose. Et du coup, bah, le bleu, je me suis dit, ça ira très très bien pour faire ce que j'ai envie de faire à l'instant. Il faut juste que je trouve le bout du washi tape. Voilà. Hop. Alors, je vais faire comme ça. Je suis désolée pour le bruit de circulation qu'il y a derrière. Je sais, c'est juste l'horreur. Mais bon. C'est la ville, hein. Alors, ça a un sens ou pas, les petites fleurs? Dans quel sens je vais les mettre? On s'en moque un peu, hein, finalement. Alors, il y a un petit débord de colle, donc du coup, je vais mettre mon washi comme ça. Hop. J'ai mis le washi tape sur la toile. Vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Alors, je vais placer le washi tape sans le mettre sur la toile. Je suis vraiment désolée pour le bruit qu'il y a dehors. En fait, il y a des ouvriers qui vont venir faire. J'ai l'impression qu'ils sont à la toile. Qui vont venir faire. Qui font des travaux en fait dans la résidence. Ce sont des personnes qui sont en réinsertion. Et c'est vrai qu'ils font quand même beaucoup de bruit. Ils sont très, très, très bruyants. Alors, j'étais vraiment sur la toile en fait. Ça va pas du tout mon histoire. Voilà, là je suis pas sur la toile. Voilà, ça c'est mieux. Franchement, il est joli, hein. Il est joli ce petit washi tape. Ah, le bruit de dehors, c'est l'horreur. J'espère que vous n'entendrez pas trop ce bruit de dehors. Alors, j'ai déjà fait la partie là.
je vais bien remettre correctement. Ça, c'est pas ma règle, je sais pas où elle est. Donc, je ne sais pas où elle est. Voilà. L'autre côté. Comme ça, on l'a fait ensemble. Je l'ai divisé en plusieurs. En plusieurs parties, je sais pas en combien de parties, j'en sais rien. On verra et je ferai à chaque fois une vidéo avec la partie petite vidéo blabla. En fait, on va voir. Alors, c'est des diamants carrés, c'est vrai, je me rappelais plus. Alors, en fait, là, j'ai deux grosses toiles en diamant carré et on va dire que. Je les ferai quand je les ferai. Hein. Je les ai commencés, mais je ne vais pas me prendre la tête à les faire d'un coup. Ça ne sert à rien. Par contre, celle-là, là, une petite comme ça en 30 par 40 en diamant carré, c'est très très bien. C'est très bien. En plus, ça va me permettre de faire un partenariat. Et ça, c'est encore mieux. Ouais, je sais, je vends des cover miners et puis j'utilise un téléphone pour... Ouais, je sais, pour tenir la feuille de protection, franchement, c'est toujours, comme on dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Alors, hop. Oh, le bruit des bus, mais c'est infernal. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais il est beau, ce rejeté. Du coup, dans le principe en fait de vous faire choisir les cases de mes DP que je suis en train de faire, et ben finalement je suis super contente parce que ça a bien fonctionné sur ma page Facebook. Et j'ai donc deux toiles que j'ai fait comme ça. Donc il y a la toile Outlander qui est un partenariat aussi. Et d'ailleurs j'en reviens toujours pas qu'il y ait ça sur. Enfin bref, c'est très très bien. Et ma toile Action Dreamcatcher aussi. Franchement, ça a été vite parce que je pensais pas qu'en une journée, j'aurais eu toutes les cases de fête. Et finalement, en deux heures de temps, toutes les cases ont été choisies. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Je vous remercie beaucoup. Je remercie énormément mes abonnés et les personnes qui me suivent sur ma page Facebook. Parce que ça a été un super succès. Donc celle-ci, par contre, je ne vais pas vous faire choisir. Je vais mettre les numéros aléatoires. Et puis je ferai 1, 2, 3. Voilà. Ça, ce sera aussi bien. Alors, hop. Voilà. Ça, déjà, le contour est fait. C'est le principal. Maintenant, je vais. Alors, la moitié de la toile, c'est quoi? J'aurais dû prendre mon relève à mon maître. Oups, ça tombe, comme d'hab. La moitié de la toile. Donc, effectivement, hein, c'est une. 31, 32. Je ne sais même pas une 34. Ah oui, 33,5. C'est même pas une 34 cm. 33,5, la moitié. Là j'ai 15, là j'ai 16, c'est à peu près là. Je vais mettre quoi? Je vais mettre ça là comme ça pour voir à peu près ma moitié. Voilà, je sais que c'est là. Hop. Est-ce que je suis bien à droite? Ça a l'air pas mal. Vous entendez les ouvriers qui rigolent dehors? Pour moi, c'est la joie de vivre, hein. C'est très bien. Très bien, très bien. Donc là, c'est à peu près la moitié de la toile. À peu près. Hein. Pas du tout. Oh zut, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il reste comme ça. C'est pas grave. J'aurais des grosses cases et des petites cases. Allez, comme ça, c'est pas grave. Ce sera très bien.
Il y a des jours où j'aurai des grosses cases et des jours où j'aurai des petites cases à faire. C'est pas très grave en soi. Je sais pas si vous êtes comme moi, si c'est au millimètre près que vous mettez votre washi, si vous calculez pas, je sais pas comment vous faites vous. Est-ce que vous prenez une règle et puis vous faites au centimètre près ou pas, ou à l'arrache.com comme moi. J'ai beaucoup de choses à l'arrache.com quand même. Dites donc, ça rigole bien. Hop. Voilà, j'aurai les petites cases en bas et les grosses cases en haut. Et on va séparer en combien? Ça fait vraiment grosse case en haut. Je sépare en 3. Beaucoup de noir hein, dans cette toile. Cendrillon, mais franchement cette collection elle est superbe. J'ai vu beaucoup de personnes qui avaient pris en diamant rond et moi j'ai voulu essayer en diamant carré, comme ça ne me dérange pas faire du carré. Que je sois quand même. Pas trop mal. Voilà. Alors je tourne cette vidéo, il est 8h30 du matin. Oh, fini. Fini celui-ci. Alors, je vais chercher le deuxième. Parce que j'en avais acheté deux. Ma petite boîte. Le blanc. Non, c'est pas celui-ci. C'est lequel? C'est celui-là. Donc là, il y avait aussi celui-ci en bleu de Washi. C'est joli, hein? Hop. La poubelle. Faut juste que je trouve le bout. Il est où le bout? Franchement, chez Action, ils ont des beaux Washi aussi, hein? Bon, ouais, alors on y va. Ouais, ça me fera des grosses cases en haut et puis des plus petites cases en bas. Oh, c'est très bien de toute façon. Mais c'est incroyable, mais c'est pire que des gonzesses. Vous entendez parler là? Une vraie pipelette. Voilà. Du coup, je l'ai séparé en 1, 2, 3, 4, en 12 cases. 12 cases, qui dit 12 cases, dit 12 vidéos. 13. Moi, j'aime pas le chiffre 13. 14. 14 vidéos, parce que la vidéo là, de préparation. Et ensuite, il y aura la première vidéo où je ferai... le premier carré, etc., etc. Et la dernière vidéo, la vidéo numéro 14, ce sera en fait où je vous montrerai en fait tout ce qui me reste en diamant. Je vous montrerai, voilà, je ferai donc la revue de cette toile qui a l'air quand même pas mal. Là, j'ai des morceaux où ça va aller très très vite parce que c'est que le même symbole, à moins que... Attendez, je prends ma loupe. C'est que du B. Et le B, je suppose que c'est le... Et le mon téléphone. Le B, je pense que c'est le 310. C'est ça. C'est 310. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets dessus? Ouais, je vais mettre dessus sur les sachets
Je vais mettre comme ça, je n'aurai plus besoin de mon téléphone finalement. Ouais, je vais faire ça. Donc les diamants. Donc il y a, je vous ai dit, 19 référents de diamants différents. Alors le 1, le 2, le 18, le 12, le 9. Maintenant, ce sont les motos qu'on entend. Alors je me suis dit, je vais faire la vidéo le matin, il y aura moins de bruit. Mais non, mais finalement, le matin, il y a encore plus de bruit parce qu'il y a les personnes qui partent au travail. Et franchement, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Enfin bref. 17, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est quoi ça? Du 13, donc 12, 13. 6, ça va aller là. Ça c'est le 7, 9, alors 10. Ça c'est quoi? Le 15. Oh, j'appuie sur mon téléphone en même temps. Éteins-toi, toi. 11, 5, 7. Et 19. Voilà. Voilà, donc du coup, je vais prendre mes étiquettes et je vais mettre ce que c'est dessus. Donc voici mes étiquettes. Je vais prendre un crayon dans deux couleurs bleu. Je le connais dans le bleu et le noir. Je vais prendre du bleu. Et on va mettre les numéros. Donc le 1, c'est la lettre B. Et c'est 310. Le B. J'aurais pu prendre ma petite pochette. Ah non, j'aurais peut-être pas eu assez en fait. Je pensais que j'avais vu en partenariat avec Wendy Saving. Vous savez, mon petit truc en feutre là. Mais je crois qu'il n'y a pas assez d'éléments dedans. Donc, ça c'est le B. Le C, c'est le 2. C'est bien parce qu'apparemment ce ne sont que des lettres de l'alphabet. Ça c'est cool. Donc ça, le C, c'est le 2. Le 3, c'est le E. Alors je sais pas ce que vous pensez de mon petit truc. Est-ce que vous trouvez ça sympa de faire une toile ensemble complète ou pas? Est-ce que voilà. Mon envie de partager avec vous, est-ce que ça vous plaît ou pas? Voilà. Est-ce que vous trouvez que ça va être trop long ou pas? Voilà, donnez-moi vos avis. Oups, mon crayon, ce serait sympa de savoir. Ça, c'est du L. C'est le 5. Hop. Après, j'ai peut-être dû prendre un petit contenant, une petite boîte pour pouvoir les mettre dedans pour pas les perdre. Le D, t'efface pas. Le D, c'est le 6. Le 7, c'est du G. C'est vraiment dans les tons bleus et puis noir, hein. C'est niveau 7 et un peu de brun, ça c'est du brun. Tiens. Ensuite, le W, c'est le 8. Le 8, c'est là. Le 8, c'est le 939. Donc du W. Hop. Voilà. Ensuite, le 9. Oh, il est beau celui-là. Ah, il y en a un truc. Vous voyez, il y en a un truc. Le 9, donc c'est du Z. Z comme 0. Oups. Ensuite, le 10, c'est du U. D'accord, l'étiquette qui se colle entre elles. On n'est pas bien.
Alors j'espère que vous n'avez pas trop chaud non plus, parce que c'est vrai que là il y avait des températures de maboule. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Nous ça va là, ça commence à aller mieux, mais apparemment j'ai vu qu'il y avait encore une vague de chaleur qui va revenir. Après maintenant travaillant de nuit, je me dis ça va être bien quelque part dans le sens où eh ben, j'aurai un peu plus de fraîcheur parce que je vais travailler. Mais c'est vrai que franchement là il fait quand même super chaud. Super super chaud. Donc ça c'est du N. Nicolas. Alors ensuite ils ont du thé. Alors je pense qu'ils commencent à faire des travaux au-dessus. Je commence à entendre des petits trucs là. Donc c'est avoir du bruit, ça c'est sûr. Le thé, c'est le 13. Hop, le 14, c'est du cas. Hop, le 15, c'est du thé. Je vais me dépêcher avant qu'il commence à le taper dans les murs. Alors imaginez, quand vous travaillez toute la nuit, que vous voulez dormir le matin et puis qu'à partir de 8h30, 9h du matin, ils font le bordel, ils tapent, ils jouent de la perceuse et tout le bordel. Je vous assure que c'est pas drôle. Hein. Je pense que je vais aller chercher des boules caisses pour pouvoir dormir parce que c'est ok, les travaux faut que ça se fasse, hein, il n'y a pas de souci, hein, je comprends bien, mais moi il faut que je dorme aussi. Déjà que j'ai un sommeil où je dors presque pas. Alors, le 18 c'est du F et le 19 c'est du I. Alors, F pour le 18, I pour le 19. Donc, 18 du F. Oh, ça va bouiller. Et le I pour celui-là. Bon, ben voilà. Bon, voilà. Tout est fait, tout est prêt. Ça, c'est pour là, j'en ai plus, j'ai plus de poils. Donc voilà, donc tous mes diamants, donc du coup je les ai répertoriés, c'est bien, ce sera facile pour moi pour m'y retrouver. Et puis ben voilà, ben, j'ai plus qu'à attaquer. Ah bah ben non, j'ai pas fini. Il faut que je mette les numéros dans les petites cases. Donc il me refaut des petits trucs. Alors je retire tout ça. Alors finalement, je vais créer mes stickers comme j'ai des feuilles qui me restent. Autocollante. Je vais voir comment je peux faire ça, bidouiller. Bidouiller. Soit propre quand même. Soit droit, soit propre. En plus, c'est pas des ciseaux pour couper ça. Enfin, de toute façon, ils sont. Hop. Il m'en faut 12. Comme ça, rien ne se perd. Pas la même taille. Hop, si on est par terre, c'est pas grave. Et il m'en faut 12. Mais dis donc, j'ai pratiquement le compas dans l'œil. Donc, ça m'en fait. Six, neuf, douze. Voilà, ça je le garde. Il se jette. Alors dessus, je vais écrire les numéros. 1. Là, ils vont commencer à faire beaucoup de bruit. Je vous mets en pause 2 secondes. Voilà, c'est fait. Donc j'ai fait ça hors caméra parce qu'ils sont en train de taper dans les murs. C'est juste horrible. D'ailleurs, ils vont retaper, je le sens. Donc voilà, donc je les ai mis aléatoirement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc je commencerai la première case. Donc ce sera celle-ci.
avec vous dans une prochaine vidéo. Et bien sur ce, je vous dis bye bye. Je vous remercie énormément de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, sur TikTok depuis très peu de temps. Et j'ai déjà plus de 400 abonnés, je n'en reviens pas, c'est un truc de dingue ça. Et puis ben, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour la partie 2. Bye bye et portez-vous bien.